Eh bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, on va parler de Shilonen, ça va être une analyse complète sur le personnage qui s'annonce extrêmement puissante et qui pourrait bien changer le jeu. On va donc voir ensemble ce qu'elle fait, les constellations, comment on pourrait la build avec les nouveaux sets et puis ultimement les teams et ce qu'elle pourrait proposer. Premièrement, c'est une épéiste géo, elle est 5 étoiles et son rôle est de buffer, ou plutôt de débuffer les ennemis, mais donc de buffer les dégâts de la team. Elle a 930 de défense de base, avec un éveil qui lui confère 36% de défense, et vous comprenez bien que son kit va tourner autour de la défense. C'est une géo, donc généralement c'est le cas. Donc qu'est-ce qu'elle propose? Alors, attaque normale chargée, c'est pas trop important de base, mais ce qui va être important, c'est une fois qu'on aura déclenché la compétence. La compétence, elle a 7 secondes de recharge. Ce qui va se passer, c'est que vous allez gagner 45 de Noctam à l'activation et elle va gagner une bénédiction Noctam qui va drainer ses points en continu. Après l'activation, elle va faire un dash en avant, infliger 322,6% de sa défense en dégâts géo aux ennemis qui sont devant elle et elle va surtout passer en roller. Oui, Shilonen a des rollers et ça va lui faire logiquement gagner de la vitesse. Avec ses rollers, elle pourra marcher sur les murs, elle pourra, quand elle sautera, passer en forme Ocelot, donc sorte de léopard. Et attention, la bénédiction ne peut pas dépasser 9 secondes maximum. Ou alors elle se termine quand vous n'avez plus de points de Noctam. Qu'est-ce que ça va faire précisément? Déjà, la compétence va convertir ses attaques normales en géo et va la faire taper avec des rollers. Mais le plus important à retenir, c'est surtout ses samplers. Alors, ses samplers ou enceintes, peu importe. En gros, ce sont 3 marques qui sont géo de base et qui peuvent être converties par l'élément de la team. Soit pyro, soit cryo, soit électro, soit hydro. Je vous montrerai des exemples un peu juste après. Mais il faut juste retenir que ces samplers, une fois que Shilonen aura atteint 90 de Noctam, ils vont baisser la résistance de 36% pendant 15 secondes de tous les ennemis en fonction de leur élément. Donc si vous avez par exemple un sampler pyro, cryo, électro, vous allez baisser de 36% la résistance de ces éléments-là aux ennemis aux alentours. La portée, c'est à peu près l'ultime de Ganyu. Donc ici, on a finalement une baisse de résistance qui est quasi équivalente aux 4 pièces de la verte chasseuse que tous les anneaux peuvent équiper, sauf que là, ça peut être jusqu'à 3 éléments différents, la baisse. Voici quelques exemples de comment ça va marcher. Donc, je vous ai dit que ça prenait l'élément de la team. Donc, si par exemple, on prend une team Neuvillette, Furina, Kazuha, Shilonen. Bah, en fait, on a 2 hydros. Donc, 2 samplers sont hydros. Kazuha est anemo, ça ne compte pas, le sampler ne peut pas être anemo ni dendro. Donc, bah, il n'y a pas d'autre possibilité, il y en a un qui reste géo. Ainsi, la baisse de résistance sera hydro et géo. Deuxième exemple, vous avez Rosalia, Xiangling, Fischl et Shilonen. Donc vous avez 3 éléments différents, cryo, pyro, électro. Donc les samplers prennent ces éléments, la résistance sera baissée pour cryo, pyro, électro. Donc s'il y a 2 personnages du même élément, bah, il y a 2 samplers qui peuvent se faire convertir. Du coup, on a vu qu'il fallait être max Noctam, donc 90 ici, pour baisser la résistance pendant 15 secondes. Comment faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le passif de Shilonen. S'il y a au moins 2 samplers qui sont convertis, donc qui ne sont pas géo, chaque attaque normale de Shilonen en mode roller va lui conférer 35 Noctam. Et dans le cas contraire où il n'y a pas, où il y a au moins 2 samplers géo, donc que 2 samplers n'ont pas été convertis, eh bien, l'attaque normale gagne 30% de dégâts et on ne veut surtout pas ça. Parce qu'en fait, ce qu'on veut du coup avec ce combo, c'est en étant en bénédiction, plus en utilisant ce passif, avoir au moins 2 samplers convertis. Et comme ça, vous faites compétence, donc vous entrez en bénédiction, vous faites 2 normales attaques, et là, le cap Noctam. Parce que vous commencez avec 45, vous faites un peu drainer, mais chaque normale attaque vous donne 35. Donc voilà, vous faites, on va dire, du 40 plus 35, 35, bref, vous êtes à 90 Noctam. Et donc là, la baisse de résistance va fonctionner. Donc le combo de Shilonen, c'est avoir 2 samplers convertis, donc 2 personnages d'éléments pyro, cryo, électro, hydro dans la team, et de faire, eux, 2 normales attaques. C'est tout. Puis vous avez l'ultime qui va vous coûter 60 d'énergie avec 15 secondes de recharge. Quand elle va le lancer, elle fera une zone d'effet qui fera 506% de sa défense en géo. Et s'il y a au moins 2 samplers convertis, donc non géo, elle va soigner le personnage actif pour 182% de sa def, plus 1101, toutes les 1,5 secondes pendant 12 secondes. Donc c'est un très gros soin. Elle va beaucoup soigner très rapidement, mais uniquement le personnage actif, un peu comme Bennett, admettons. Et s'il y a au moins 2 samplers géo, donc moins de 2 samplers convertis, eh bien, elle va ajouter 2 instances de points de dégâts qui feront chacun 1200% de sa défense. Mais ce qu'on veut, c'est plus du coup soigner, ici, avec Shilonen en général. Et elle a un dernier passif qui fait que quand il y a une éruption Noctam, elle gagne 20% de sa défense pendant 15 secondes. Donc ça peut être elle qui la déclenche en faisant des dégâts élémentaires, vu qu'elle est natlanienne, ou alors un autre personnage. Et une fois qu'elle a 90 Noctam, eh bien, toutes les 14 secondes, elle peut déclencher une éruption bonus. Donc ça peut servir, par exemple, pour d'autres natlaniens qui, comme Molani, Kinich, qui en profitent.
Elle peut donc avoir deux éruptions par rotation. Donc, en résumé, Shilonen, elle a trois samplers, donc trois enceintes, qui prennent l'élément de la team, sauf Anemo et Dendro, ça ne marche pas. Ces samplers vont baisser la résistance de 36% une fois qu'elle aura atteint le max de Noctam. Pour l'atteindre, on fait le combo compétence de normal attaque, si vous avez deux samplers convertis. Elle soigne avec l'ultime, Shilonen, le perso actif, si vous avez deux samplers convertis. Et elle veut donc, pour que tous ces effets-là soient déclenchés, deux persos, soit Hydro, Cryo, Electro, Pyro dans la team. Et accessoirement, elle déclenche aussi deux éruptions Noctam. Voilà donc le kit. On a un personnage qui peut baisser la résistance de 36% de trois éléments en même temps. Et ce, très rapidement, juste en faisant compétence de normal. Donc c'est juste incroyable. C'est encore plus incroyable si on ajoute les constellations. Alors attention, les constellations, ce ne sera pas must-have, mais il y en a qui sont quand même pas mal. Alors là, c'est un, elle va réduire la consommation de Noctam de 30% et va prolonger la bénédiction en 13,5%. Et en plus, elle va donner de la raison d'interruption à la team quand les samplers sont actifs, donc tout le temps en soi. Maintenant, cette résistance à l'interruption, c'est pas le bouclier de Zhongli. D'après ce que j'ai pu apercevoir, la raison d'interruption conférée, c'est un peu équivalent à la posture de Sinnoh ou celle d'Ayato. Donc, vous allez vous faire interrompre si vous avez vraiment aucune autre source qui vous protège. Pas par tous les monstres, mais par exemple par les gros gardiens des ruines, ça va être le cas. Par les bêtes sacrées, ça peut être le cas également. Et puis vient la C2, qui a quand même pas mal attiré. Quand les samplers sont actifs, eh bien, s'il y a un sampler Géo, eh bien, les personnages Géo gagneront 30% taux critique, Pyro 40% attaque, Hydro 40% PV, Cryo 50% dégâts critiques, et les personnages électro gagneront 20 énergie immédiatement et auront moins 5 secondes sur le temps de recharge de l'ultime. Donc oui, évidemment, c'est alléchant, notamment le Géo pour les 30 TC et l'Hydro pour les 40% PV. Pyro, c'est un peu moins alléchant parce que généralement sur les scalers Pyro, on joue Bennett et donc bah, l'attaque a moins de un rendement décroissant. Cryo, bah, c'est 50 DC donc c'est bien, mais c'est moins bien que les 30% TC. T'as moins de crit value, mais c'est ok. Et Electro, ça peut servir, mais c'est beaucoup, le moins utile, je dirais. La C4, elle fait que pendant 15 secondes après sa bénédiction, les 6 prochaines attaques des alliés gagnent 65% de sa défense en dégâts. Donc c'est un peu comme des stacks, admettons, de Yunjin ou Shen He. Et c'est des charges indépendantes pour chaque personnage, comme les Icy Quill, les penaches glacés de Shenhe. Et la C6 fait que toutes les 15 secondes, elle gagne une posture spéciale chez le nain pendant 5 secondes pour renforcer ses attaques normales et plunge qui vont prendre 300% de sa défense. Elle ne consommera plus de Noctam ou d'endurance pour ses déplacements. Donc voilà, en général, les gens qui voudront avoir un énorme support ultra OP iront chercher à mon avis la C2, mais c'est pas, on va dire, must pull, juste c'est fort quoi. Du coup, pour le build de Shilonen, eh bien, pour le R, en fait, ça dépend si vous faites l'ultime, si vous faites l'ultime à chaque rotation. Généralement, on dit pas non à son soin, honnêtement. Donc, si vous êtes en duo Géo, ça serait 150% de R, solo Géo, 190%. Du coup, en main stat, on prendrait un sablier énergie pour avoir le prérequis de R ou défense, si bah, on n'en a pas besoin. On prendrait de la coupe défense pour le soin, un casque défense pour le soin également, ou bonus de soin pour le casque d'ailleurs, hein, si vous voulez soigner. Mais après, vous avez du coup le sub DPS, où là, dans ce cas-là, vous mettez une coupe Géo et un casque critique. Mais est-ce que Shilonen sub DPS sera ce qu'on va rechercher? On peut. C'est un peu finalement comme build Bennett en damage. Ça peut peut-être être micro-opti, mais des fois non. Par exemple, on veut quand même avoir un bon heal si par exemple on joue avec Furina et autres. Et pour le confort. Pour le set d'artefacts, il n'y a qu'une seule solution. Et il faut farmer le nouveau set parchemin du héros de la cité. Il va donner ses énergies et surtout en 4 pièces, eh bien, il va pouvoir augmenter de 40% l'élément avec lequel elle est entrée en cristallisation. Donc oui, un buff de 40% de damage, c'est juste incroyable. Combiné avec son shred élémentaire, c'est trop fort. Donc voilà, petit exemple de comment on pourrait build Shilonen. Alors attention, c'est pas fini, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Par exemple, moi j'ai mis voilà, cette fleur avec ER, DEF, cette plume avec DEF, ER, sablier avec ER, coupe DEF avec de l'ER et un casque bonus de soins avec du coup de la DEF et de l'ER. Voilà, ce sera un peu comment je builderai ma Shilonen. Pour l'arme, on va en parler. Si vous mettez une arme bonus, dans tous les cas, bah, c'est bien d'avoir du TC, admettons. Mais sinon, c'est beaucoup de défense. Vous avez aussi la possibilité de mettre, du coup, bah, comme je le dis, coupe Géo, stat, TC, DC, comme ça, par exemple. Mais ça, c'est à vous de voir. C'est pas le plus important. Du coup, pour les armes, alors, on a plusieurs choix et j'aimerais, du coup, en discuter. Déjà, sachez que Shilonen, en plus de son kit qui est quand même plutôt fort, vous avez une arme signature qui est complètement OP, qui va lui donner 83% de défense, plus un passif qui va lui donner 20% en plus, donc ça fera 103% de défense. Elle va voir ses attaques normales et plunge augmenter en TC, DC de 3% et 25% respectivement, mais surtout, le plus important, donner à tous les personnages de la team
25,6% dégâts élémentaires. Comprenez bien ici qu'avec cette arme signature, vous avez 36% de baisse de résistance pour au moins 3 éléments, 25,6% dégâts élémentaires pour toute la team, et le 7 parchemin qui donne 40% dégâts élémentaires pour 1 ou 2 éléments, selon les cristallisations. Rendez-vous compte à quel point c'est fort avec l'arme. C'est vraiment, vraiment ouf. Donc c'est évidemment sa meilleure arme de très, très loin. Maintenant, vous avez d'autres options pour des armes pour le boost. Vous avez par exemple le Serment de la Liberté, qui avec les cristallisations va pouvoir du coup proc des bonus dégâts attaque normale chargée et plongée et attaque. Donc oui, le web sert à rien, mais c'est une arme qui buff. Vous avez aussi Favonius, comme je l'ai dit, donc c'est de l'ER pour toute la team, donc ça peut baisser leur pré-occidère et leur augmenter du coup leur stat offensive. C'est en soi un buff indirect. Vous avez les armes défense pour soigner, comme par exemple l'arme Fruit Blend d'Atlan, la flûte des Spitzal, j'espère que je prononce bien, qui va donner du coup beaucoup beaucoup de défense. Vous avez le fuseau de Cinabre, donc l'arme de Leven d'Albedo, qui va donner aussi beaucoup de défense, mais moins bien que l'arme Fruit Blend d'Atlan. Vous avez l'arme de Shiori, qui va donner de la défense, mais ça sera moins, beaucoup moins que les deux autres gratuites. Et puis après, vous avez les armes sub DPS, évidemment ici que l'arme de Shiori sera très forte, et aussi du coup des armes critiques comme Cooper et autres quoi. Mais bon, sub DPS, c'est pas vraiment sur ce quoi je vais m'orienter. Et maintenant qu'on a vu ça, eh bien, avec qui l'a joué? Vous vous en doutez, il y a beaucoup de teams qui pourraient être abordées. Ici, je vais essayer d'aborder plus l'essentiel, c'est-à-dire les personnages, disons, très cotés, populaires. Je ferai quelques mentions, évidemment, à d'autres persos, mais on va en parler. Bon, du coup, ici, les Shilonen, on va dire que c'est Kachina, d'accord? Elle va essentiellement Power Creep Kachina, d'ailleurs. Enfin bref, avec qui ça peut marcher? Eh bien, ça va marcher avec tous les persos, finalement, qui font des dégâts élémentaires, qui ne sont pas Anemo, qui ne sont pas Dendro, et qui utilisent au moins deux personnages, Pyro, Electro, Cryodre dans la team. Ici, on pense à une grande gagnante, ou même la plus grande gagnante de tous les personnages, de toutes les teams, ça sera Navia. Navia, elle gagne énormément de dégâts grâce à Shilonen, parce qu'en fait, vous mettez Navia à Shilonen, vous mettez deux personnages élémentaires, Xiangling Bennett, ou Bennett plus Furina, vu que Shilonen et Bennett vont pouvoir du coup soigner le drain de Furina, même si ce sera juste sur perso actif, vous allez avoir tellement de soins que ça va remonter très rapidement. Et donc là, vous avez un sampler Hydro, un sampler Pyro, un sampler Géo. Elle baisse de 36% la résistance Pyro, Hydro et Géo. Extrêmement bien. Avec son 7, elle va augmenter les dégâts Hydro de Furina. Donc Furina fera encore plus mal. Et si vous avez l'arme signature, là c'est broken. Et même la C2, bon voilà. Mais bon, ici on parle sans constellation. Donc, cette team-là gagne énormément en DPS. C'est la team qui gagne le plus en DPS. Il y a déjà eu des simulateurs. Mais là du coup, on voit que Navia, elle passe à 76 000 en moyenne, sur 3 rotations en mono-cible. Navia, 76 000 de DPS, sachant qu'elle avait 66 000 avant Shilonen. Rendez-vous compte un peu du boost. Elle gagne plus de 15% de DPS, la team, pour Navia C0 avec arme BP raffinement 1. Si vous investissez encore plus, c'est démentiel. Là, dites-vous que ce DPS-là, c'est un DPS de personnage top tier, alors qu'on n'oublie pas que Navia, c'est un personnage front-load à la base. Donc oui, c'est complètement broken sur Navia. C'est la plus grosse upgrade, c'est le perso que les gens attendaient pour Navia, clairement. Elle est trop forte, Shiloh, avec elle. Ensuite, autre grand gagnant, eh bien, c'est notre cher souverain Hydro, Neuvillette. Comme s'il avait besoin d'un buff, Neuvillette se fait également buffer énormément, parce que Neuvillette, en fait, avant, on mettait dans sa meilleure team Kazua, on mettait Furina également, et puis on mettait, du coup, ici, Baishu, Zhongli. Eh bien, maintenant, pourquoi on n'enlèverait juste pas Baishu et Zhongli pour Shilonen? Parce que dans tous les cas, on n'a juste pas la raison d'interruption. Mais bon, Neuvillette, on n'a pas vraiment besoin de cette raison d'interruption vu qu'on peut bouger tout le temps. Et puis même, il y a des cristallisations qui peuvent aider dans tous les cas. Et si vous avez la C1, bon là c'est encore mieux, mais bon, on parle sans constellation. Ici, qu'est-ce qui se passe? Vous gardez Kazua et Shilonen. Vous avez le Shred de Kazua, le Boost élémentaire de Kazua, le Shred de Kachina, le Boost élémentaire de Kachina. Vous avez deux Sampler Hydro, un Sampler Géo ici, donc les Sampler Hydro qui nous intéressent. Si vous avez la C2 de Shilonen, elle augmente de 40% PV les deux. C'est encore plus OP parce que c'est un peu comme un buff Bennett, mais pour les Hydro, la C2. Mais bon, encore une fois, c'est la C2. Mais même sans C2, c'est un buff pour cette team. En fait, il manquait un perso réellement bon pour cette team-là. Et là, on a enfin ce quatrième slot. Et c'est Shilonen. Ici, Neuvillette en mono-cible, en C0 avec une arme BPR1. Sa team atteint 89 000 de DPS sur 3 rotations. 89 000 de DPS. C'est juste incroyable, parce qu'en fait ça veut dire essentiellement qu'il atteint quasiment, ou même quasiment, le DPS théorique d'une Utao C0. Utao, alors que techniquement, Utao c'est dur à avoir en théorie tout son truc. Et ben là on sait que Neuvillette ça va être complètement stupide à atteindre comme DPS.
Sachant en plus que là, ça compte sans ses constellations, sans Lodvar Invest sur Neuvillette, et on sait qu'il gagne énormément. Donc oui, Neuvillette va avoir un DPS théorique digne des plus hauts personnages du jeu, tout en étant le roi de la pratique, sans compter son multi-cible. Donc ça assure encore plus sa position comme meilleur personnage du jeu. Il va être juste trop fort avec Shilonen. C'est un boost, je dirais, de 7 à 8% de dégâts pour la team, sur une team qui était déjà complètement OP. Ensuite, dans le même cas de figure, vous avez évidemment Molani. Molani, en fait, il lui manquait un petit peu des personnages. En fait, Kazuha avait du mal à double swirl, comme on le voulait. À part avec des techniques gobash, c'était un petit peu hasardeux. Là, en fait, Shilonen, elle va pouvoir du coup shred 15 secondes, buff hydro 15 secondes. On va enlever Kazuha. Alors, on peut mettre Kazuha si vous l'avez C2 pour le buff M, mais ou pour le front load, pour le double buff, pour vraiment que Molani fasse mort sur ult. Mais sur une longue rotation, on enlèvera Kazuha et on mettra Xiangling. On fera ça, voilà, et on laissera Furina. Normalement, Xiangling pourrait permettre de faire des vapes, quand même. Vous pouvez aussi enlever Furina pour mettre Kazuha, pour mettre Emily, Naida, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Mais Furina, c'est bien parce qu'en fait, elle profite de la réseau hydro pour Molani, et elle-même, du shred de Kachina, donc elle fera aussi beaucoup de dégâts à Furina. Et cette team-là, je n'ai pas le pourcentage de gain de DPS, mais je situe à minimum 10%, donc c'est évidemment bon, sachant que Molani est déjà très très forte. Donc, Molani... Je vous avais dit, oh, elle va encore être plus forte dans le futur. Bah, en fait, le futur, il est déjà très proche, hein, parce que c'est Shilonen qui arrive juste après, en 5.1. C'est un très gros buff pour Molani. Donc voilà, pour moi, ça, c'était les trois candidats qui vont profiter le plus. Navia, Neuvillette et Molani. Maintenant, il y a d'autres persos qui peuvent en profiter. Ce ne sera pas forcément un upgrade, mais vu que c'est des persos, on va dire, populaires, il faut en parler. Du coup, laissez-moi vous parler Arlecchino. Arlecchino, en fait, le problème, c'est que si on prend sa team... De base, sa meilleure team, en fait, il y a la team Overload hein, techniquement, mais je vais pas la compter, la team Surcharge, vu qu'elle est quand même un peu cheesy. On va parler de la team Vape. Donc Kazuha, Arlecchino, Yelan, évidemment, Bennett. Donc là, il faut remplacer un perso. Mais on remplace qui? On peut pas remplacer Bennett. Remplacer Bennett, c'est du suicide, c'est trop fort hein, avec Arlecchino. Du coup, on remplace soit Yelan, soit Kazuha. On remplace Yelan, on n'a plus de Vape et de dégâts infligés. On remplace Kazuha, on n'a plus de Shred, ni de buff élémentaire de Kazuha. Ni de grouping. Du coup, c'est un petit peu bizarre. Du coup, on va se dire, ok, on enlève, ce sera mieux en multi-cible, etc. Et on met Shilonen. Cette team-là passera évidemment. Elle sera même très forte. Et je dirais même qu'en pratique, elle sera du coup mieux que la team avec Xiangling. Donc ça en soi, c'est une upgrade à la team mono-pyro en multi-cible. Mais en mono-cible, ce n'est pas une upgrade à la team Yelan. Donc c'est un petit boost pour Arlecchino, en soi, même un plutôt bon boost. Et bon, après, si vous avez Shilonen C2 et avec l'arme, c'est un autre délire, hein. Mais en soi, pour des personnages en C0, eh bien Arlecchino, c'est une bonne alternative, très bonne, qui peut s'avérer même être mieux en multi-cible. Donc c'est un buff en soi pour Arlecchino, mais pas autant que Neuvillette, Navia, Molani, etc. Parce qu'en fait, Arlecchino avait déjà trop de supports broken, fortes, avec elle qui synergisait. Arlecchino a déjà en fait atteint son plafond, ou quasiment, là où celui de Molani, Navia et Neuvillette n'avait pas encore été débloqué. Et là, avec Shilonen, ils s'en rapprochent maintenant, ces trois-là. Ensuite, vous avez tout simplement Linet. Linet, du coup, il y a plusieurs variantes. Là, il y a une variante avec Shiori, par exemple. La team est bien, mais le truc, c'est que, en fait, on n'a pas vraiment de grosses protections, donc on ne met pas Zhongli, donc c'est mieux que Zhongli. On a un très bon DPS, mais en général, les gros joueurs de Linet vont juste jouer Kazuha plus Xiangling, et ça sera mieux. Donc, je dirais que c'est une side grade, Linet. On peut voir 78 000 de DPS, sachant que c'est un gros front loader quand même, Linet, donc c'est plutôt bon. Donc, pour Linet, ça va aussi être bien. Ça peut s'avérer être mieux parfois, mais vous avez plus du coup le gros ping de Kazuha. Ça aussi, ça à prendre en compte, ça peut jouer énormément. Donc voilà, ça c'était un peu les personnages, à mon avis, qui en bénéficieraient. Vous avez d'autres personnages, ça sera des side grade. Par exemple, Shilonen, Raiden et Sarah. Donc là, c'est pour les Raiden C2, C3. Ça serait pas une upgrade à la team Kazuha, ça serait une side grade. Donc ça serait pas non plus un truc de fou. Vous n'avez pas le grouping de Kazuha non plus. Donc juste c'est mieux Kazuha en général. Sauf si vous avez l'arme de... Vous avez Utao. Alors Utao c'est assez spécial. Parce qu'on va essayer de faire Yelan Furina plus Utao. Ici Utao aura le Shred Pyro. Et il y aura aussi le Shred Hydro. Donc ce qu'elle ne peut pas avoir avec Kazuha. En tout cas sans un setup de fou. Mais elle n'aura pas le buff du set parchemin de Shilonen. Parce qu'elle ne pourra pas cristallisation Pyro avec Utao. Donc ça sera bon. Mais lui il sera juste Shilonen. Sur un personnage actif avec Furina qui draine, donc ça peut être hasardeux et vous n'aurez pas dans l'interruption. Donc on devrait enlever Yelan et mettre par exemple Xingqiu, mais dans ce cas-là vous perdez du DPS. Donc Utao, ça peut être une upgrade, mais ça peut aussi vite flop. Donc
Pour le moment, je le mettrai en side grade à la limite, mais je vais pas le compter. C'est à voir, et ça peut être beaucoup moins confortable que les teams d'Ottawa actuelles. Vous avez une team Risley, donc Risley Melt, donc Risley. Ici, du coup, elle peut baisser la res Cryo et Pyro, donc c'est parfait. Vous n'avez pas le grouping de Kazuha, mais Kazuha aurait plus de mal à double swirl. Donc là, elle pourra la porter. Donc voilà, très bon. Mais sauf que ça serait une side grade à la team Furina, je dirais. Donc voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Mais c'est bon, quoi, on va dire qu'elle passe partout. Puis après, voilà, vous avez d'autres options. Par exemple, je suis sûr que des personnages comme Klee, Yanfei pourront en bénéficier. Maintenant, passons un peu aux personnages qui sont un peu, disons, pas laissés pour compte, mais parlons-en. Déjà, Ganyu, non, juste c'est mieux Kazuha pour l'application et autres. Dans cette team Melt, on va l'ignorer. Ayaka. Alors, Ayaka, en termes de DPS, c'est une side grade. Si on joue Ayaka, Shilonen, Shanhe, et du coup, il nous faut un Hydro. Le problème, c'est que vous n'avez pas Kazuha, et jouer une team Freeze sans Kazuha pour grouper, bon, c'est un peu hasardeux, et c'est une side grade, c'est même pas une upgrade à la team. Donc au final, vous y perdez en multi-cible, pas grand fan. Donc ouais, Ayaka, pas grand fan. Clorinde, ça peut être une side grade en mettant Clorinde, Fischl, et du coup un personnage soit Naida, mais du coup pas très interruption, soit également Kirara, c'est possible. C'est, je dirais, moins bon que la Quick Bloom, mais c'est une side grade, donc un truc équivalent à la team sur activation, mais vous n'avez pas le grouping de Kazuha. Et puis, parlons des deux Géo. Parce que c'est vrai qu'on s'est dit, mais attends, en fait, comment on fait pour Ito et Noël? Alors, Ito, malheureusement, il y a un petit problème. C'est que, comme je vous l'ai dit, pour que le sampler Géo fonctionne, après coup, parce qu'en fait, ça je vous l'ai pas dit, mais le sampler Géo, en fait, baisse la résistance Géo tant que Shilonen est active, par exemple. Donc, en fait, ce qu'on veut chercher pour augmenter un Géo, c'est toujours avoir un sampler Géo à la fin de la rotation Shilonen, pour que la résistance soit baissée, même quand on est off-field et plus en bénédiction, tout en ayant, du coup, deux éléments non-Géo, Anemo ou Dendro. Mais le souci avec Ito, c'est que là, Shilonen et Ito prennent déjà deux slots de Géo. Donc, on va essayer de mettre qui, par exemple? Furina, ok, on a un sampler Hydro. Puis on met qui? Bah, ok, on pourrait mettre Bennett pour le boost, Xingqiu, Yelan ou je ne sais qui. Mais on perd, tout simplement, Goru. Et perdre Goru avec Ito, c'est une catastrophe. Là, actuellement, avec cette team-là, avec Shilonen, Ito, Goru, Furina, vous ne pourrez pas baisser la résistance Géo quand Shilonen sera off-field, uniquement quand elle sera on-field. Donc vous y perdrez, même si Shilonen gagnera du coup en dégâts, parce que dans ce cas-là, je vous conseille de la jouer du coup en sub DPS, mais dans ce cas-là, du coup, des plus soins pour Furina, enfin bref, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas une upgrade pour Ito. Peut-être une side grade à la limite, si on enlève Guru et tout, mais ça semblerait pas être une upgrade malheureusement. Pour Noël, c'est le même raisonnement si vous jouez Sniper Noël, mais Noël, on va dire que c'est beaucoup plus flexible, parce qu'elle peut être aussi jouée en driver. Donc par exemple, on peut enlever Goru pour mettre Yelan, et bah dans ce cas-là, bah vous aurez du coup Shilonen, Noël, Yelan, Furina, vous aurez deux samplers Hydro, un sampler Géo, il y aura au moins deux samplers convertis, donc elle pourra générer de la Noctam avec ses normales attaques, Shilonen, donc elle pourra avoir le max Noctam et donc baisser la résistance avec ses samplers de 36% pendant 15 secondes. Donc là ça marchera, ça ne sera plus du coup Sniper Noël, mais elle aura quand même du coup le Shred Géo, les buffs dégâts d'Yelan, les buffs dégâts de Furina, donc elle en profiterait beaucoup plus qu'Ito quand même, en général. Donc voilà un petit peu. Alors j'ai pas tout couvert, honnêtement. J'ai pas couvert toutes les teams. Il y avait quelques personnages un peu plus alternatifs. Mais comme vous pouvez le voir, Shilonen, elle est super polyvalente. Est-ce qu'elle est mieux que Kazuha sur papier? Alors, sur le papier, elle peut être mieux que Kazuha parce qu'elle peut baisser la résistance élémentaire plus longtemps, plus facilement, avec moins de prérequis parce que, bah, on va dire qu'elle a besoin de rien. Même pour son buff élémentaire, du coup, Shilonen, de 40%, elle a pas besoin du coup de maîtrise élémentaire comme Kazuha. Elle n'est pas ultra dépendante de l'ulti, ça peut servir, mais c'est pas non plus si grave que ça. Surtout avec bah, des Neuvillette, admettons, c'est moins grave. Mais bon, on prend toujours. Sur le papier, elle peut être meilleure. Mais malheureusement, vous n'avez pas le grouping de Kazuha, vous n'avez pas l'application que Kazuha peut apporter avec son Vortex. Donc, je pense qu'en pratique, il y aura beaucoup de cas où Kazuha sera juste meilleure. Mais ça veut dire aussi que déjà, vous pouvez combiner les deux ensemble. On l'a très bien vu avec Neuvillette, admettons. On peut mettre Kazuha et Shilonen. Avec Molani, on pourrait aussi le faire. Avec Arlecchino également. Donc déjà, C'est pas si grave, ils font pas concurrence vu qu'ils jouent ensemble. Et puis tout simplement, ça veut dire aussi que par exemple, lorsqu'en théâtre, vous n'avez pas de Kazuha disponible, bah vous avez Shilonen parce que le Géo est ouvert. En Abyss, sur la salle 1, vous avez Kazuha et salle 2, vous avez Shilonen. Donc c'est pas grave du tout, c'est un peu le cas Xingqiu Yelan, admettons. Il y a aucun souci. Donc Shilonen, actuellement, c'est un excellent personnage qui va littéralement booster des personnages déjà top tier. Molani, Neuvillette, Arlecchino possiblement. Utao, c'est encore à voir, Navia qui va avoir un énorme upgrade,
Malheureusement, Latham, lui, n'a aucune upgrade avec, parce que ça veut pas d'Endro. Kinich non plus, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, hein, vu que c'est main DPS d'Endro. Mais ouais, voilà, beaucoup de gros DPS vont connaître un encore plus gros up, et surtout le futur, les futurs personnages qui joueront avec Shilonan, il y en aura, c'est sûr et certain, surtout qu'elle est Natlanienne, et on aura des personnages de Natlan qui vont combiner avec les éruptions de Nocta, mais elle pourra en faire deux par rotation avec son passif. Donc, Shilonan, en C0, a l'air super forte. Avec son arme, ça va être débile. Avec la C2, ça va être... Bon, bref, mieux vaut ne pas en parler. Shilonan est définitivement, pour le moment, le personnage le plus intéressant de la région. Je me demande même si Mavuika arrivera à faire mieux. On verra. Donc, l'Archon Pyro, tellement Shilonan peut avoir de la value. Donc, ça a l'air d'être un excellent personnage avec beaucoup de teams. Peut-être moins pratique que Kazuha, mais pas non plus difficile à jouer, vu que Shilonan, c'est juste compétence de normal attaque en soi. Mais ses constellations sont plus polyvalentes que Kazuha, par exemple. Ça, c'est à noter. Et son arme aussi, je trouve. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura du coup permis d'entrevoir à quoi on pouvait s'attendre concernant Shilonan. Franchement, le perso est vraiment trop trop fort, et avec de l'investissement encore plus. Donc ouais, définitivement un personnage que pour le moment je vous conseille de pull, si vous jouez tous les persos que j'ai cités, notamment les joueurs Neuvillette, Navia, Molani, vous allez être super super refait. Allez, moi je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée, une bonne soirée, portez-vous bien, et à plus.